Le match qu'on attendait est sur le point de commencer. À quel genre de spectacle va-t-on assister? Est-ce qu'on va vibrer? Est-ce qu'on va être déçu? En tout cas, la Terre peut bien s'arrêter de tourner. Nous, on veut savoir ce qui va se passer. Faisons du football le plus beau de tous les langages, le plus merveilleux de tous les jeux. Salut à toutes et à tous, bienvenue. On est en direct du Groupama Stadium de Lyon. Da Silva, Da Fonseca, la team Dada est bien titulaire aujourd'hui pour vous faire vivre ce match le plus intensément possible. Et nous sommes donc fidèles au poste pour vous faire vivre ce match dans son intégralité. La France contre l'Allemagne. Et oui, le football, c'est notre richesse à tous. C'est notre plaisir depuis qu'on est enfant. Devant un match, on a tous un peu le même âge, n'est-ce pas? Ah, l'arrêt du gardien, mais ce n'est pas terminé. Ouais, ça partait bien, mais ça s'arrête là. Voici les titulaires pour l'équipe de France. Dans le but, c'est Mike Maignan. Kylian Mbappé sera avec Ousmane Dembélé sur les ailes. Et pour finir, il n'y aura qu'une seule pointe devant. Et peut-être un bon décalage sur ce ballon. Ah non, finalement, le ballon est perdu. Alors, la compo de départ pour l'Allemagne. Dans le but, c'est Ter Stegen. Antonio Rüdiger avec Niklas Süle en défense centrale. Gnabry sera avec Leroy Sané dans les couloirs. Et pour finir donc, une seule pointe en attaque. Et duel remporté en défense. Belle anticipation. Thuram. Oui, c'est un bon ballon ça, attention. Ouais, c'est bien fait pour éloigner le danger. Florian Wirtz. Gundogan. Oh, il y a une bonne occasion là. Ah, le gardien renvoie, mais ce n'est pas fini. Ah, le danger est écarté. Pour Marcus Thuram, en direction de Dembélé, Kylian Mbappé. Ah, il prend sa chance de loin. Oh, c'est dedans, madre mia. Mais quoi, à cette distance, mais comment il a fait? C'est phénoménal. La frappe, elle a l'air assez naturelle pour lui. Alors que pour 90% des gens, c'est physiquement impossible. L'engagement est donné par l'Allemagne, il faut réagir. Après ce but encaissé, Gnabry. Transmission, Emre Can. Ah, ballon perdu par l'Allemagne. Attention à ce ballon dans la profondeur. Le poteau, ballon toujours en jeu. Cette balle qui tape le cadre, c'est l'action qu'il faut vite cicatriser, avaler la frustration pour pouvoir passer à autre chose. Ah ouais, le montant qui a renvoyé ce ballon, il faut se remettre en place maintenant. Leroy Sané avec le ballon. Sané. Et voilà la réponse, l'égalisation, quel match fou! Sur le chemin de but, il élimine parfaitement son adversaire et peut conclure ensuite ses matchs. Et avec ce but, score de parité, un peu partout. Lucas Hernandez. Ah, ça arrive sur Mbappé. Mbappé dans le couloir, il peut avancer. Il a une possibilité là pour centrer. Attention, Kylian Mbappé. Elle a frappé contrée. C'est un coup franc en faveur de l'Allemagne. Oui, faute, l'arbitre intervient. C'est un coup franc. Le danger peut-être avec ce bon ballon. Elle a prise de balle dans la profondeur. Oh, la faute en pleine surface de réparation. C'est donc un pénalty.
Et non, pas de carton sur cette action. Et non, pas de carton. Et pourquoi vouloir toujours sanctionner? Le pénalty, c'est déjà une sanction très dure. Quel exploit du gardien sur ce pénalty! Et l'équipe de France qui progresse. Kylian Mbappé. Et il s'en est fallu de peu pour qu'il marque le deuxième but sur cette action. Et c'était sans compter sur le gardien qui anéantit provisoirement ses rêves de doublé. Oui, il y a du tempo dans la création et beaucoup d'occasions. Ce qu'il manque maintenant pour pouvoir se départager, ce serait d'être un peu plus clinique dans la conclusion, gagner en sérénité. Et la priorité pour l'instant, c'est de récupérer vite ce ballon pour pouvoir attaquer. Leroy Sané avec le ballon. Et oui, le tir! Intervention du gardien. Le centre est donné en retrait, bien joué. Leroy Sané avec le ballon. Ah, il s'est bien défendu sans commettre de faute. Mbappé. Et sur le côté, Mbappé, il a du champ. Et le concentre là, peut-être. Avec Kylian Mbappé. Magnifique ce contre. Et un corner pour éventuellement prendre l'avantage dans ce match. C'est bien tiré par Camavinga. Et la tête sur ce corner malgré la pression de la défense. Florian Wirtz. Avec Gundogan. Emre Can. Gnabry. Et ça joue vers Müller. Ah oui, il y a la place pour un bon centre. Pas bien joué ce centre, c'est pour le gardien. Ah là là, ballon perdu sur cette passe mal assurée. Et ça joue, dit l'arbitre, avantage pour l'Allemagne. Et toujours la progression dans le camp de l'adversaire. Ah, et le pressing est efficace là. Une minute d'arrêt de jeu minimum. Et peut-être une option pour une contre-attaque. Ah, c'est joué dans le dos de la défense. Et voilà, c'est la mi-temps au Groupama Stadium. Ah, il a presque tout réussi dans cette première période. C'est Leroy Sané. Le but de l'égalisation, c'est une joie sur laquelle il faut construire la dynamique de cette deuxième mi-temps. Son rôle n'est pas capital, il est essentiel. Et c'est reparti dans ce match, le début de la deuxième mi-temps. Oui, attention à ce ballon-là. Et le gardien qui écarte bien le danger. Sané. Le ballon vers Kimmich. Et pas d'erreur là-dessus, attention. Florian Wirtz. Gundogan. Le ballon pour Leroy Sané. Excellente intervention. Je
Kylian Mbappé. Ouais, le dribble, ça passe. Ah, la frappe part plutôt bien. Oh, c'est dedans, madre mia. Mais quoi, à cette distance? Mais comment il a fait? C'est phénoménal. Il faut de la conviction pour tenter une telle frappe à cet endroit du terrain. Beaucoup de conviction. Le jeu reprend et le score est maintenant de 2 buts à 1. Niklas Süle. Hey, bonne intervention. Koundé. Ballon Konaté. Je rappelle qu'il est en Camavinga. Jules Koundé. Et l'équipe de France en approche. Et ça joue sur Marcus Thuram. Rüdiger s'interpose. Ouais, bon pressing, bonne récupération. Ouais, la frappe, ça part bien. Ouais, c'est contré, bonne défense. Ah, il a faute, l'arbitre intervient. Et attention, parce que le coup franc est bien placé. Repoussé par le gardien. Corner, c'est donc une occasion de s'offrir une avance confortable. Non, ce corner ne donne rien. Renvoyé par la défense. Oh, la tentative lointaine. Oh là 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 là. Goal, 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 goal. Ce but qui vient de nulle part, une frappe hallucinante qui transperce les filets. Quel boulet de canon. Et regardez la trajectoire, on dirait un missile. Bam. Et avec ce but inscrit, ça fait 3-1. Emre Can. Allez, voilà, dépossédé du ballon. L'Allemagne avec le ballon pour tenter quelque chose. Et peut-être le but pour revenir. Quelle occasion, ça passe vraiment proche du but. Si le ballon entre, plus qu'un but d'écart et tout peut changer. Ah, le ballon est perdu, sur l'intervention. Et sur le côté, il y a de l'espace pour l'Allemagne. Récupération musclée tout en évitant le pénalty. Thomas Müller. Le gardien renvoie, mais ce n'est pas fini. Bien joué, super intervention. Le danger était imminent. Oh, c'est dedans. Le ballon relâché. Et derrière, ça ne pardonne pas. Goal. Sur ce but, on voit bien comment, dans un premier temps, le ballon est renvoyé après un magnifique arrêt. Et c'est à ce moment-là que le ballon retombe sur un adversaire. Et à cette distance, ça ne pardonne pas. C'est reparti, l'Allemagne est revenue à un but de son adversaire. Il faut centrer là-dessus. La frappe. Et c'est au fond, quelle performance! Voilà son troisième but dans ce match. Une efficacité redoutable et un sens du but diabolique. Le troisième but pour le hat-trick. Quel match! On le revoit sur ce plan. On a l'impression que tout est réussi depuis le début du match. Avec beaucoup de buts, on en est donc à 4-2. Konaté. Gundogan, des solutions en attaque là.
Wirtz reçoit le ballon. Bonne intervention, la passe est interceptée. Et nous voici dans le dernier quart d'heure maintenant de ce match. Joshua Kimmich. Rüdiger. Et c'est pour Gundogan. Kimmich. Emre Can. L'approche de Leroy Sané. Ah, l'action était bien partie et finalement, oh là là, le tacle glissé, mal maîtrisé, coup franc à venir évidemment et peut-être un avertissement aussi. Faute et donc l'arbitre brandit le carton jaune. Oui, bonne décision. Un peu de coaching avec ce changement. Lucas Hernandez. Pour Marcus Thuram. Et c'est donné dans l'espace, en profondeur. C'était prometteur, mais la défense est attentive. L'équipe a été supérieure dans sa capacité à être enthousiaste devant le but. Et elle a réussi à concilier l'urgence et la précision. Ces deux buts d'avance racontent la vérité de ce qu'on a vu. Marcus Thuram. Attention à cette bonne passe. Ballon piqué pour surprendre le gardien. Ce ballon piqué n'atterrit pas au bon endroit. Nous y avons cru, mais quelle vista quand même. Sacrée justesse de pied. Malheureusement, manque de réussite. Ah non, la mauvaise passe. Ce ballon est perdu. Tchouaméni, mais c'est capté tranquillement au final. Dans le dos de la défense, ça peut être dangereux. Et le ballon piqué. Oh non, le but! Et le but contre son camp, c'est cruel, c'est dur. Et comment se remettre de ça maintenant? On revoit le but malheureux. Marquer des buts, c'est peut-être la chose la plus grande du monde. Mais marquer contre son compte, c'est la pire. Que dans une détresse vraiment très grande. Maintenant, il faut relever la tête. Et c'est très spectaculaire. 7 buts inscrits au total. Le score 5-2. Plus qu'une minute à jouer dans le temps réglementaire. Jules Koundé. Le pressing sur Jules Koundé. Attention à ce ballon dans la profondeur. Oh, le ballon lobé. Goal ! Mais quel but ! Quel génie ! Quel artiste ! Quel esthète ! Diego ! Diego ! C'est la spéciale Maradona qui vient de nous faire. Contrôle, changement d'appui, roulette et but. Voilà ce qui est la danse, voilà ce qui est le football. Grande vive le football, golazo! Et voilà, on en reste là. C'est terminé dans cette rencontre. Et donc, l'équipe de France s'impose. Une performance vraiment intéressante, convaincante. J'ai pris beaucoup de plaisir à les voir évoluer tout au long du match. Le crack de la rencontre, évidemment, c'est lui, Kylian Mbappé. Encore une fois exceptionnel. Il a vraiment tout pour lui. Incroyable, fabuloso. Qu'est-ce que vous voulez dire de plus ?